On va résumer le premier chapitre de la partie 3 des identités meurtrières de Amin Maalouf. Donc il démarre son chapitre en disant que c'est dans l'air du temps de mettre en avant son identité religieuse. Il n'est pas tout à fait satisfait de l'expression, il veut dire que c'est plutôt un climat émotionnel, un environnement intellectuel. Il ne trouve pas d'expression tout à fait adéquate, mais ce qu'il veut dire, c'est que en ce moment, il y a quelque chose qui pousse à mettre en avant son identité religieuse. Donc il en cherche les causes. Et ce qu'il met en avant, c'est qu'il y a deux choses qui se sont effondrées. D'abord, le bloc communiste s'est effondré. Du coup, il recrutait quand même un petit peu parmi les étudiants, parmi toutes les personnes qui se sentaient un désir de changement et d'évolution. Il recrutait des alliés politiques et beaucoup de gens se tournaient vers le communisme pour aspirer au changement. Le communisme s'est effondré. En face, il y a l'occidentalisme avec son monde moderne. C'est celui qui a gagné un peu cette guerre entre le communisme et l'occidentalisme. Mais l'occidentalisme, lui, il a une crise qu'il appelle la crise. La crise, c'est le fait que l'occidentalisme doute un petit peu de lui-même et n'arrive pas à arriver à bout des problèmes de pauvreté à l'intérieur de ses frontières, dans ses grandes métropoles. Les problèmes de drogue, de délinquance, etc. Donc finalement, il a quand même des problèmes et il est aussi un petit peu en porte-à-faux. Donc il dit, si j'étais un jeune homme de 19 ans qui arrive dans une université du monde arabe, je ne pourrais plus me tourner vers le communisme, l'occidentalisme a ses limites. Et finalement, alors il y a la modernisation, et il dit par contre que c'est plutôt réservé à certaines castes de privilégiés. Ceux qui essayent de moderniser leur pays sont, je le cite, ceux qui ont une limousine garée sur leur balcon. Et c'est vrai que j'ai l'impression que dans le monde arabe, il y a quand même toujours certaines castes qui sont beaucoup décriées, parce qu'elles sont très riches et très puissantes, et qu'à côté d'elles, il y a des gens qui meurent de faim, donc évidemment, c'est pas une position facile à tenir. Mais c'est vrai quand même qu'il reste un petit peu moteur et qu'il cherche à développer au maximum le pays vers une certaine modernisation. Le problème, c'est qu'ils sont souvent corrompus et qu'ils cherchent avant tout leur intérêt personnel plutôt que développer le pays, mais ils cherchent aussi à développer le pays. En tout cas, celui qui est né dans un environnement pauvre ne peut pas s'identifier à eux, ne peut pas vivre comme ces castes-là pour développer le pays. Donc Amin Maalouf précise encore une fois, il me fait un peu sourire parce qu'il le précise dans tous les chapitres, on a bien compris qu'il n'est pas un islamiste, déjà il précise qu'il n'est pas musulman mais chrétien, donc effectivement c'est un petit peu compliqué d'être un islamiste radical quand on n'est déjà pas musulman. Et surtout, il croit très fort en la liberté de mener sa vie comme on l'entend, la liberté de croire, etc. Donc toute identité religieuse radicale lui est inacceptable, c'est pas son souhait. De se tendre vers une identité religieuse radicale. Bon, on l'avait quand même compris depuis le début des chapitres, mais il le reprécise encore une fois. Et il le précise pourquoi? Parce qu'il veut aussi dire qu'il n'est pas d'accord avec les gouvernements qui combattent ces islamismes, parce qu'ils le font de façon violente, qui commettent des exactions horribles et qui prétendent que c'est un moindre mal. Et il dit que les populations ne doivent pas se satisfaire d'un moindre mal. On ne peut pas accepter que des gouvernements despotiques tyrannisent la population sous prétexte qu'ils les protègent de devenir des populations islamistes. Donc lui, il dit que c'est pas ça la réponse adéquate, que ce que lui veut, c'est un chemin d'humaine liberté. Donc maintenant qu'il a dit ce que lui voulait, on retourne sur son idée d'air du temps. Il nous expose la théorie d'Arnold Toynbee. Donc d'après lui, à la préhistoire, les choses allaient très lentement, les découvertes scientifiques allaient lentement et le partage des connaissances allait lentement aussi. Mais les découvertes étaient tellement lentes que quand on avait fini d'en découvrir une et qu'on en découvrait une autre, elle avait quand même eu le temps de faire le tour de toute la planète parce qu'il y avait eu beaucoup beaucoup de temps entre deux découvertes. Ensuite, il y a eu toute une époque qui dure plusieurs millénaires d'après lui, qui était une époque à laquelle les découvertes se sont accélérées mais pas les communications. Donc chaque société découvrait des choses différentes, à des moments différents, et les développait plus ou moins vite, mais pas forcément toutes en même temps et toutes les mêmes. Donc du coup, on avait des sociétés distinctes et différentes. Et la troisième période, c'est la période actuelle, à laquelle les communications sont extrêmement rapides, les découvertes sont aussi extrêmement rapides, et finalement les mêmes technologies, les mêmes idées, les mêmes inventions se retrouvent partout en même temps.
Et donc, il se base sur cette théorie pour la rallier avec sa question qui est la question de l'identité, en disant que forcément, l'identité, elle se retrouve malmenée vu que tout est pareil partout au même moment. Et du coup, ces innovations, il y a des fois où on les accepte, soit parce qu'elles nous sont avantageuses, soit parce qu'elles nous paraissent inévitables, mais il y a des fois où on ne les accepte pas, parce qu'elles nous paraissent inacceptables. Et souvent, c'est quand elles touchent un élément de notre identité auquel on est très sensible, que ce soit par exemple une langue, une religion, ou d'autres symboles de sa culture, ou alors encore pire évidemment, son indépendance. Il dit que c'est une époque qui se passe sous un double signe, à la fois sous le signe de l'harmonisation, donc on aura compris qu'avec la communication très rapide, tout le monde commence à se ressembler, et à cause de ce mal-être et cette résistance qui émerge parfois quand on se sent menacé, c'est aussi le signe de la dissonance. Donc cette dissonance, cette résistance, il emploie le mot réaction pour la qualifier, tout en précisant que pour lui, c'est la réaction d'un groupe humain qui est effrayé et qui se réfugie dans des valeurs ou des traditions anciennes. Amin Maalouf pose l'idée que ce retour au religieux, c'est à la fois le besoin d'identité et l'exigence d'universalité, et que finalement, les hommes feraient pour certains ce retour au religieux parce que c'est la seule manière qu'ils auraient trouvé de répondre à ce besoin aussi d'universalité. Alors on va voir pourquoi ils trouvent que le retour au religieux peut être une forme d'universalité. Et c'est pour cette idée d'une foi qui transcende les appartenances nationales, qui transcende aussi les appartenances raciales ou sociales. Et pour certains, ça a quelque chose d'universel, la religion. Ce qui est évident d'ailleurs, parce que les religions se présentent toujours comme étant offertes à tout le monde, parce qu'elles ont pour le but d'englober, donc finalement, elles refusent un petit peu personne, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, il nous dit que ce retour au religieux, ce n'est pas un retour en arrière, parce que ce n'est pas le même mouvement religieux que ce qui existait autrefois. Ce n'est pas non plus l'émergence d'un internationalisme au sens prolétaire, au sens communiste du terme. Parce que ça, c'est aussi quelque chose de terminé, comme la vision ancienne qu'on avait des religions. Alors, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est pas quelque chose qu'on peut balayer du revers de la main en disant que ce retour au religieux n'est pas quelque chose d'important, donc c'est quelque chose d'important. Il dit que dans beaucoup de circonstances, il cite les Russes, les Turcs, les Grecs, les Polonais, les Israéliens, le sentiment d'appartenir à une église, donc pas dans le sens chrétien du terme, mais dans le sens d'un ensemble, parce que les Turcs ou les Israéliens ne sont pas chrétiens, mais dans le sens de faire église, être ensemble, ça touche même les laïcs. Donc la question n'est pas forcément au niveau spirituel. Alors il pose la question de qu'est-ce que c'est qui est en train d'émerger et qui s'apprête à dépasser l'appartenance religieuse. Et ce qui est bien, c'est qu'en général, quand il pose une question, il propose des réponses, et on va les trouver dans le prochain chapitre. Le résumé est terminé, mais avant de l'arrêter, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Ça fait longtemps que j'avais plus lu Amin Maalouf, j'avais arrêté les lectures, et quel plaisir de le retrouver. Son écriture, elle est simple, il pose des questions, mais il reste pas dans l'abstrait, il propose des pistes de solutions, de réflexions, et pour ma part, je le trouve extrêmement juste dans les réponses qu'il propose. C'est tout à fait un sentiment que je partage, que le monde est en train de s'accélérer, et que la réaction identitaire, elle touche beaucoup plus les personnes qui ne s'y retrouvent pas dans cette accélération. Et c'est certainement en ayant ça en tête qu'on peut trouver des solutions. C'est pour ça que j'aime bien lire Amin Maalouf, parce qu'il n'a pas que des problèmes, il propose aussi des solutions à sa manière. Voilà, j'arrête là le résumé de ce chapitre qui est déjà bien assez long. On va résumer le deuxième chapitre de la partie 3 qui s'appelle Le temps des tribus planétaires de l'œuvre de Amin Maalouf, Les identités meurtrières. Donc dans ce chapitre, Amin Maalouf, il commence déjà par nous préciser un petit peu sa vision de la religion. Il dit que lui, il n'a pas pour ambition ou pour but d'éradiquer la religion, mais il constate qu'elle a deux facettes et que ça doit évoluer. Donc d'abord, il commence à parler de la science en disant que la science fait que la religion va passer plutôt du comment au pourquoi. Donc pendant des millénaires, l'homme se demande comment les choses se créent, comment les choses existent. Et à cette question, la religion répondait un peu, mais la science répond surtout beaucoup. Donc il pense que cette question, elle va être un peu dépassée. Le comment va être dépassé par la science, mais le pourquoi va prendre de plus en plus d'importance. Parce que même si on peut répondre aux questions du comment,
Le pourquoi, ça reste une question essentielle pour l'homme, et pour l'instant, il n'y a rien qui apporte de réponse à cette question d'un point de vue scientifique. Donc ensuite, il sépare la religion en disant qu'elle répond à deux besoins différents. Le premier besoin, c'est le besoin de spiritualité, ça rejoint un petit peu le pourquoi, qu'est-ce qui donne un sens à la vie. Et le deuxième, c'est le besoin d'appartenance à travers une communauté de croyants, c'est-à-dire se retrouver, se dire, voilà, on est de la même religion, on appartient à la même communauté. Et là encore, il n'est pas forcément négatif, il dit que les deux sont légitimes. C'est pas une vision qui est bonne et l'autre qui est mauvaise, mais elles sont différentes et pour lui, c'est important de les dissocier. Que l'homme ait un besoin d'appartenance, pour lui, c'est pas quelque chose de mauvais, mais ces deux aspects de la religion sont confondus et lui, il pense que c'est des aspects qui devraient être distincts. Le besoin d'appartenance à une communauté d'un côté et le besoin de spiritualité de l'autre. Donc, il dit que c'est naturel que l'homme ait besoin de sentir qu'il appartient à un groupe, mais il faudrait faire en sorte que ce besoin d'appartenir à un groupe soit pas le ciment de guerre ethnique, par exemple, ou de guerre religieuse, et que de toute façon, si on veut éviter d'en arriver à ces dérives dramatiques, il faut satisfaire ce besoin d'appartenance d'une façon ou d'une autre. Donc il se recentre, il pose la question qui est essentielle pour lui. À quoi on pourrait appartenir qui ne soit pas la religion, sachant que les autres éléments dont il a fait l'analyse, que ce soit la nation, l'ethnie, la race ou la classe sociale, c'est des appartenances qui se sont révélées encore plus étroites que la religion et pas moins meurtrières. Donc il pose la question d'une appartenance planétaire. À quoi on pourrait appartenir pour se sentir à l'intérieur d'une communauté qui engloberait tout le monde? Et il dit que ça, c'est aussi quelque chose qui a posé problème et il va en définir un petit peu les limites. Donc dans ces limites, il dit qu'il y a une partie des personnes qui considèrent que une appartenance à l'humanité entière avec cette vision humaniste, c'est naïf, c'est-à-dire que c'est impossible. L'homme ne voudra jamais appartenir à un grand tout qui serait l'humanité. Ou alors que c'est dangereux parce que ça efface les identités qui ne sont pas planétaires, les identités différentes. Alors j'ai le sentiment en lisant ce chapitre que Amin Maalouf, lui, il serait plutôt pour justement cette appartenance à toute l'humanité, cette appartenance planétaire. Mais il dit que nous, on est au siècle des méfiances. On est dans un siècle qui a vu émerger tout un tas de progrès à tous les niveaux, que ce soit scientifique, économique, etc. Et aussi qui a vu de grandes horreurs, avec des grands massacres, les guerres mondiales, des choses horribles. Alors du coup, la population est devenue de plus en plus méfiante par rapport à cette façon d'aller de l'avant qui leur apporte autant de malheur que d'avantages. Ensuite, il prend l'exemple d'un habitant piémontais, c'est une région d'Italie, en disant que pour l'instant, la marche, elle était englobante. Donc le piémontais, l'Italie réunifiée, je ne connais pas trop l'histoire de l'Italie, mais enfin, il est devenu italien, et après, il se prépare à devenir, ou alors il se considère déjà comme européen, pour enfin dire « je suis un citoyen du monde ». Et on aurait espéré que les religions suivraient aussi ce même chemin en disant, par exemple, petit à petit, enfin, il parle de syncrétisme, ça veut dire de fusionner un petit peu toutes les croyances et de prendre un petit peu tout à droite à gauche. En même temps, je pense que le syncrétisme, c'est quand même une notion péjorative, c'est de dire qu'on se sert un peu partout, mais on n'est rien ré réellement. Donc du coup, il dit que cette solution n'est pas vraiment la solution. Et donc finalement, il dit que l'histoire qui était partie pour aller vers quelque chose de plus en plus globalisant, maintenant elle fait marche arrière, les gens s'y opposent, et finalement ça ne se passe pas comme c'était prévu, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'aller vers quelque chose de beaucoup plus planétaire qui engloberait toute l'humanité, ni non plus vers une façon de penser la spiritualité qui engloberait toutes les religions, pas du tout. Au contraire, l'identitaire, pas l'identité, mais l'identitaire c'est plus péjoratif, le côté revendicateur d'être à part des autres, prend de plus en plus de place. Donc du coup, Amin Maalouf, il dit comment ça se fait que cette histoire qui semblait être tracée pour aller dans ce sens-là, elle a pris un autre chemin. Et d'après lui, on ne peut pas tracer l'histoire en disant ça se passera de cette façon ou d'une autre, parce que l'histoire, elle s'écrit au fur et à mesure qu'on avance, donc on ne peut pas la prédire. Mais on ne peut pas non plus dire qu'on l'a subie. On ne peut pas non plus... Il parle de la notion de destin, dire que finalement ce qui arrive était prévu et que on ne peut rien y faire. Il dit que c'est un peu comme le vent sur un bateau. Ça peut faire couler certains bateaux, mais quelques bons marins utiliseront le vent pour arriver à bon port. Et il dit aussi que nous, on doit façonner notre histoire. On doit prendre part à tout ça pour orienter le monde
vers quelque chose de préférence de plus positif. Donc il termine son chapitre en nous proposant son idéal, ce qui serait l'idéal pour lui. Je vais quand même citer la phrase parce qu'elle est très bien tournée et qu'elle parle d'elle-même. Il dit pour lui l'idéal ce serait une identité qui serait perçue comme la somme de toutes nos appartenances et au sein de laquelle l'appartenance à la communauté humaine prendrait de plus en plus d'importance jusqu'à devenir un jour l'appartenance principale sans pour autant effacer nos multiples appartenances particulières. Donc lui, il considère que l'idéal, ce serait qu'une personne puisse se définir en fonction de toutes les facettes de son identité. Donc il en a parlé dans les autres chapitres, que ce soit religieuse, mais alors aussi ethnique, éventuellement son orientation sexuelle, ça peut être toutes les facettes qui font son identité, et le tout en considérant qu'on appartient aussi à l'humanité. Pour lui, ce serait ça l'idéal. Et comme il est optimiste, cet homme-là, il termine en disant qu'il a le sentiment que la globalisation, elle nous pousse dans cette direction et que finalement, on arrivera peut-être à cet idéal, c'est-à-dire de reconnaître qu'un individu a plusieurs identités et en même temps qu'il appartient à l'humanité. C'est vrai que ça paraît un petit peu banal et simple et évident, mais évidemment, ça ne l'est pas du tout en réalité parce qu'on se rend compte que en pratique, il y a beaucoup de gens qui restent en souffrance ou alors qui ne se reconnaissent pas selon cette définition-là. Voilà, c'est la fin du résumé de ce chapitre. On va résumer ce troisième chapitre de « Les identités meurtrières » de Amin Mahalouf, de la troisième partie sur les tribus planétaires. Donc tout ce chapitre, il tourne autour de l'idée que les hommes sont plus proches d'autres hommes du même temps que de leur père, leur grand-père, leurs arrière-grands-pères, etc. Donc il dit qu'il y a deux sortes de rapprochements qu'on peut faire entre les hommes, qui seraient soit horizontales, soit verticales, et que finalement, on se ressemble beaucoup plus avec nos contemporains, que ce soit à Prague, Séoul ou San Francisco, que à nos arrière-grands-parents ou les générations encore avant. Donc il continue avec cette idée, il fait une parenthèse sur la religion. Donc toujours en voulant montrer que la proximité horizontale qu'on a avec nos contemporains est plus importante que la proximité avec notre filiale, je ne sais pas comment dire, nos ancêtres. Donc il dit que finalement nos co-religionnaires, donc ceux qui ont la même religion que nous et qui vivaient il y a 500 ans, ils avaient des croyances qui étaient très, très différentes de celles qu'on a aujourd'hui. Par exemple, d'imaginer que le diable a des pieds fourchus et qu'il va vraiment concrètement attraper les gens pour les mettre dans du feu. Alors qu'aujourd'hui, les hommes ont tous une vision un peu plus abstraite de la religion. Alors moi, je suis une grande fan de Amin Mahalouf et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont très intéressantes. Là, je pense qu'il faut relativiser. Je crois qu'il y a encore aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits dans le monde, voire même dans nos familles et dans nos proches, des gens qui ont encore des visions très pratiques, si je ne trouve pas d'autres mots, de la religion. Par exemple, de penser que si on brûle un cierge, on est exaucé. Ou encore que les péchés ou les bonnes actions sont comptabilisés une par une et avec des paiements très concrets. Je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont cette conception de la religion. C'est pas pour en dire ni du bien ni du mal, mais je trouve que de considérer que c'est quelque chose qui n'a plus cours, ça me paraît quand même un petit peu illusoire. Et en allant chercher un peu plus loin, c'est complètement certain, il y avait encore un article il n'y a pas longtemps dans Courrier International qui parlait des enfants sorciers en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui étaient des petits-enfants de moins de 5 ans, qui étaient jetés à la rue et qui étaient battus parce qu'on les accusait d'avoir rendu quelqu'un malade dans la famille. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas, comme il le dit, d'universel dans une religion qui serait beaucoup plus éclairée qu'avant. Pourtant, j'adore Amin Mahalouf et son optimisme et sa façon de toujours essayer de prendre ce qu'il y a de meilleur, mais je crois qu'il ne faut quand même pas non plus être trop dans l'illusion. Enfin, on est censé résumer, donc pour résumer son idée à lui, c'est que de toute façon, maintenant, on est beaucoup plus uniforme et on a beaucoup plus des conceptions semblables entre personnes de la même époque qu'en remontant chacun nos filières, que ce soit religieuse, ethnique ou autre, comme auraient vécu nos ancêtres. Voilà, donc désolé, j'ai un peu fait une digression, donc je reviens sur le résumé. Il dit que globalement, nos différences s'estompent, ça c'est tout à fait vrai. Et il s'interroge sur le fait qu'on puisse se réjouir ou pas du fait que nos différences s'estompent. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose?
Donc, il dit que, de son point de vue à lui, il faut distinguer deux choses qui sont l'universalité et l'uniformité. Donc, l'uniformité, ça veut dire être tous pareils, qu'il n'y ait plus de différence entre les uns et les autres. Et l'universalité, ça veut dire tout simplement qu'il s'adresse à tout le monde, que tout le monde est concerné. Je ne sais pas, lui, ce qu'il met derrière le mot universalité, mais c'est ça sa définition. Et dans le contexte, ça me semble un petit peu l'idée de ce monde où tout le monde est plus rapproché et où tout le monde se connaît finalement. Et il dit que le risque, ce serait de voir ces deux notions complètement fusionnées parce qu'elles sont déjà très proches. Il dit que ce sont des notions qui sont enlacées, c'est-à-dire entortillées l'une avec l'autre, et que c'est un peu ambitieux de vouloir démêler ça, mais il dit on peut déjà commencer par tirer un fil. Donc Amin Maalouf clôture ce chapitre avec l'idée que universalité et uniformité sont deux choses distinctes mais très proches, et qu'il ne faut pas être naïf et imaginer qu'on obtiendra le premier sans le deuxième, mais on peut être attentif et on peut essayer de séparer ces deux notions. Et lui, tirer un fil, ça veut dire essayer au moins à notre niveau de ne pas tout uniformiser et tout en avançant vers une universalité. On se rappelle que depuis le début du livre, il propose une vision humaniste universelle, ça veut dire avec l'homme au centre et un droit qui s'adresserait à tout le monde, pour extrêmement résumer. Voilà, fin du résumé de ce chapitre. Donc, on va résumer le chapitre 4 de Les identités meurtrières de Amin Maalouf dans la partie 3 sur les tribus planétaires. Après, il restera le chapitre 5 et on aura terminé cette partie, on pourra attaquer la dernière partie. Donc, dans ce chapitre 4, de quoi il nous parle? Il nous parle de l'universalité. Donc, il nous explique sa définition de l'universalité, c'est de dire que chaque personne humaine a des droits qui sont inaliénables à rien du tout, des droits fondamentaux. Ça fait un petit peu penser à la Déclaration des droits de l'homme, et ce sont des choses innégociables qu'on ne peut pas considérer comme variables en fonction de l'endroit où on est. Ce sont des droits qui sont valables partout dans le monde et à toutes les époques, qui devraient jamais être remis en cause. Par exemple, le droit de ne pas être esclave. Après, je trouve qu'il se mouille pas trop quand même dans ce chapitre, parce que j'ai moi fait un exemple, mais lui, il ne propose aucun exemple. Et du coup, c'est un petit peu compliqué de bien cerner ce dont il parle, parce qu'il dit que ces choses-là, elles ne doivent pas être assujetties, par exemple, aux traditions de tel ou tel pays, ou alors aux religions. Ça veut dire que c'est des choses où on ne peut pas dire, bah tiens, par exemple, nous on refuse l'esclavage, mais oui, c'est vrai, il y a des endroits où l'esclavage existe et c'est pas si grave que ça. Donc on ne peut pas considérer que ces droits sont négociables ailleurs ou dans un autre contexte. Alors, un peu plus loin, je vais nuancer mes paroles, il donne des exemples. Toutes mes excuses pour cette erreur. Le premier exemple qu'il donne, c'est le droit de vivre sur la terre de ses pères sans subir de persécution ou de discrimination. Il dit qu'on doit pouvoir vivre où qu'on soit dans la dignité. On doit avoir aussi le droit de choisir sa vie, ses amours et ses croyances et respecter la liberté d'autrui. Et pouvoir accéder sans entrave, donc pouvoir atteindre, si on le souhaite soi-même, le savoir, la santé et une vie décente et honorable. C'est un chapitre qui est compliqué, je trouve, et il pose vraiment des vrais problèmes profonds, des problèmes mondiaux et des problèmes en même temps qu'on vit tous à petite échelle dans toutes les civilisations. Parce que c'est comme s'il y avait des droits fondamentaux, mais en même temps qu'ils sont des choses un petit peu irréalisables. Alors, j'adore Amin Maalouf, j'arrête pas de le répéter, mais je trouve que il est un peu idéaliste et, par exemple, ne subir aucune discrimination et aucune persécution. Je suis en train de lire en parallèle un livre de Joseph Chovanec où il parle de l'autisme et il raconte ses premières années à l'école et ça a été extrêmement violent pour lui et la violence venait d'enfant parce que l'homme, il a quand même aussi le mal en lui. Alors notre travail, c'est de se civiliser et de civiliser nos enfants pour leur apprendre que non, c'est pas parce qu'un enfant, par exemple, fait des bruits bizarres ou des remarques étranges qu'on a le droit de le frapper. Ça, évidemment, c'est tout le travail de la civilisation. Mais faire le vœu pieux que ça n'existe plus, je trouve que c'est un petit peu naïf parce que ça existe. L'homme, il est mauvais, il est bon aussi, mais il a une part de mauvais. Et éradiquer totalement tout ce qui est mauvais, c'est illusoire. Après, ne jamais cesser de lutter contre ce qui est mauvais. Là, en ça, évidemment, je rejoins tout à fait Amin Maalouf, et c'est presque notre devoir d'humain sur la Terre de ne jamais accepter ce qui est injuste.
Et en même temps, on ne pourra jamais faire ce devoir totalement parce que l'injustice, elle est présente dans beaucoup de choses et on ne peut pas lutter contre tout. Et encore un autre bémol, tout ce qui est l'accès au savoir, à la santé, à une vie décente, c'est quand même soumis aux contraintes économiques. C'est-à-dire que dans des pays où il n'y a pas d'hôpital, par exemple, on peut évidemment, pareil, encore une fois, se battre pour qu'il y ait des hôpitaux partout, pour que tout le monde puisse avoir accès à la santé. On peut considérer qu'il y a assez de richesses sur la Terre pour que tout le monde puisse se soigner et qu'il faut se battre pour ça. Mais la réalité aujourd'hui, elle est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément d'accès à la santé, même dans les pays les plus riches, ou pas un accès idéal. Il y a des enfants, par exemple, qui sont dans des familles où on ne prend pas soin d'eux. On ne peut pas rentrer dans toutes les familles, surveiller tous les enfants. C'est, par exemple, la protection de l'enfance, c'est un secteur extrêmement difficile parce que la barrière, elle reste une barrière humaine. Et on ne peut pas se mettre dans le corps de toutes les mamans de la Terre pour surveiller que chaque enfant a un accès à la santé correcte. Mais je crois qu'il a quand même raison de le dire et de l'écrire. Il faut garder cet idéal et continuer à se battre pour cet idéal, même si il me semble que ce chapitre est un peu naïf. Ensuite, il parle d'un problème très important qui serait une forme de laisser-aller ou d'indulgence envers des pratiques qui sont injustes parce que on pourrait dire c'est des pratiques d'une autre culture ou d'une autre religion, et il dit qu'on ne doit pas faire passer les traditions ou les religions avant les droits fondamentaux des humains. Alors encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais je pense que ça reste aussi quelque chose de très compliqué parce que respecter les droits fondamentaux, c'est aussi définir ce que sont ces droits fondamentaux. Dans les rapports hommes-femmes, par exemple, on sait que notre façon de vivre ici, par exemple en Europe, n'est pas forcément la même que partout. Est-ce qu'on a le droit de définir les rapports hommes-femmes dans un couple qui n'est pas le nôtre? Et est-ce que nos couples sont forcément plus équilibrés qu'ailleurs? C'est quand même des questions très très subtiles. Par contre, ce que je pense qui ne doit pas être négociable et qui est très très important, c'est d'aller vers des lois qui permettent l'accès à ces droits de base. Par exemple, d'avoir des droits qui font que si quelqu'un subit de la violence, il a le droit de dénoncer sa violence, il a le droit d'avoir recours à la justice. Ça, c'est des choses très très importantes et pas négociables. Par contre, s'immiscer dans la vie privée des gens pour voir comment est-ce qu'ils organisent les droits des uns et des autres à l'intérieur, par exemple, de la cellule familiale, c'est quelque chose qui est très très compliqué. Après, ça n'empêche pas qu'il faut évidemment aménager un monde et une société dans laquelle il est le plus possible que chacun fasse respecter ses droits fondamentaux. Voilà, mon résumé va être plus long que la lecture, donc je vais la faire courte. Le dernier passage, il parle du brassage culturel et du fait que la musique et la cuisine et toutes ces choses-là sont un petit peu partagées partout dans le monde et que du coup on peut avoir accès à la cuisine ou à la musique de civilisations qui viennent d'ailleurs et effectivement à travers ces petits éléments découvrir autre chose du monde que ce qu'on connaît. Il dit qu'il trouve ça génial et que c'est super. Donc oui, pourquoi pas, c'est très intéressant. Et encore une fois, il précise que ça ne doit pas faire perdre à chacun ses spécificités, mais que c'est une chance d'avoir accès à l'autre tout en ne perdant pas le fait d'être soi-même. Voilà, c'est un résumé un petit peu chaotique pour ce chapitre, je suis désolée, mais c'est parce que c'est un chapitre, je trouve, qui aborde des choses très très importantes et un petit peu des choses compliquées. Et voilà, on va continuer à lire la suite pour voir si il y a des réponses peut-être aux questions que soulève ce chapitre. On va résumer rapidement le chapitre 5 de la partie 4, les tribus planétaires, du livre de Amin Maalouf, Les identités meurtrières, aux éditions Grasset. Donc dans ce chapitre, il veut parler des inquiétudes autour de la mondialisation, on va dire, je ne sais pas si le terme est tout à fait juste. Enfin, il veut parler des inquiétudes que cela suscite. Et il dit qu'il y en a deux principalement. La première, c'est le risque d'uniformisation. Donc c'est quand même assez simple à comprendre. C'est de se dire que à la place d'avoir plein de cultures différentes qui se rencontrent, et ben au final, tout le monde aura la même culture, écoutera les mêmes musiques qui auront été fabriquées par des super productions, et il n'y aura plus un artiste derrière et une personne qui partage quelque chose qui lui est propre et qui appartient à sa culture, mais un canevas, un espèce de schéma, tous les films se ressembleront, il y aura les mêmes actions dans tous les films, les mêmes histoires, dans les musiques. Il parle aussi du domaine des livres, il dit si les gens continuent à lire, en gros que ce sera une espèce de culture au rabais.
et que toutes les diversités, les identités propres de chaque culture, toutes les choses qui ne sont pas conformes, disparaîtraient. Donc le risque de cette vision des choses, ce serait un appauvrissement général de l'humanité qui, au lieu de s'élever, se rabaisserait. Et la deuxième inquiétude, il parle de l'hégémonie de la culture occidentale, ou plus précisément des États-Unis. Alors du coup, j'ai été chercher la définition de hégémonie parce que moi-même, je ne l'avais pas clairement à l'esprit. Donc en lisant le texte, on comprend un petit peu que l'hégémonie, ça veut dire que, l'Amérique dominerait le monde entier, ou alors la culture occidentale. Donc l'hégémonie, c'est ça, c'est la suprématie d'une nation ou d'un pays sur les autres. Donc c'est de se dire que finalement, il y aurait un seul pays qui dominerait le monde entier. Et il dit que cette inquiétude, elle peut paraître plus ou moins légitime, qu'effectivement les États-Unis et plus largement l'Europe aussi, même si on peut être des gens fort sympathiques, certainement que les Américains sont aussi des gens fort sympathiques, il n'y a pas de raison, mais la culture en général occidentale domine le reste du monde. La façon de se soigner, de penser, d'écrire, de raconter, tout ce qui a émergé d'Occident a pris une grande place dans le monde. Et du coup, ceux qui ne sont pas dans cette grande place, si un pays domine les autres, et bien les autres sont dominés. Et effectivement, ça risque de créer des ressentiments, parce qu'alors les autres se retrouvent marginalisés, ressentent leur culture menacée de disparaître et n'arrivent pas à la partager. Et il termine sur une note fort négative en disant que cela peut amener à l'émergence d'une violence. Et du coup, je suis allée regarder la date d'écriture de cet essai. Et cet essai, il a été écrit en 1998. Ça fait 24 ans. Et c'est quand même un choc pour moi parce que ça a été écrit, je suis en train de me dire, quand j'avais 16 ans, il y a 24 ans. Et ce dont il parle, c'est quelque chose qui se réalise complètement aujourd'hui. La question identitaire, elle est au cœur de beaucoup d'interrogations. Elle est très souvent mal interrogée et mal menée. Et je me dis qu'il y a 24 ans, alors je ne sais pas si c'est moi qui étais inconsciente parce que j'étais plus jeune, ou si les médias étaient différents, mais il y a 24 ans, ils se posaient déjà cette question, alors qu'il me semble qu'on en était, on était encore loin de connaître les tensions qu'on connaît maintenant. Enfin voilà, donc du coup il termine ce chapitre, et il termine du coup cette troisième partie, avec le risque de rébellion, ou de violence en tout cas, contre le sentiment qu'il y aurait une hégémonie de la culture occidentale. Et donc on va commencer la quatrième partie qui s'appelle « Apprivoiser la panthère ». Donc on va voir certainement ce que Amin Maalouf propose comme solution à ce bilan qu'il vient de dresser, et on va lire le premier.